Pour vous, amis Cancer, votre été sera impacté par les bons aspects du Soleil et de Jupiter en Trigone. Dans de nombreux domaines, vous aurez carte blanche. À vous de profiter de cette belle configuration planétaire pour peaufiner vos schémas de vie. Côté famille, ce sera la saison de la maturité. Côté choix et engagement, vous disposerez des aides de liberté aux effets dynamisants. À partir du 3-06, Vénus dans votre signe apportera un souffle nouveau à votre énergie amoureuse aux senteurs aphrodisiaques. Dans votre domaine professionnel, si vous avez une âme d'artiste, l'occasion vous sera donnée de vous exprimer et de récolter ainsi les lauriers de la gloire. Le mois de juillet sera mitigé, positif jusqu'au 15-07. Il sera plus délicat sur la seconde partie du mois. Les contrariétés se poursuivront jusqu'au 20-08. Heureusement, à partir de la rentrée, et grâce à une configuration astrale plutôt stable, tout devrait rentrer dans l'ordre. Vos points forts, amis Cancer, pour cet été, une intensité émotionnelle portée à son zénith qui vous donnera la capacité de cristalliser vos rêves dans le monde de la matière. Vous serez moins dans le stress environnant et plus à l'écoute de vos ressentis profonds et, du coup, plus attentif aux signes de la vie. Sachez entendre ce que votre petite voix intérieure a à vous dire. Mes conseils pour cet été, amis Cancer, prudence entre les 13-16 et 19-06 qui seront des phases de vie où la réflexion dans vos actions liées au domaine socio-pro devra être de mise, sous peine de voir vos projets tomber à l'eau. Plus que jamais, il faudra faire preuve de vigilance et de sagesse durant ces dates. Agir, oui, mais pas de manière irréfléchie. Les gros investissements financiers devront être reportés de quelques mois. Faites confiance aux énergies planétaires qui vous serviront de lanterne dans la noirceur du climat ambiant. Bel été à vous. C'était vos prévisions astrales pour cet été 2021. Que je vous souhaite excellent. À bientôt.